faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Jetzt halt direkt an!
Ja, ausgezeichnet. Da stellen Sie mich ins Schaufenster. Ja. Mon Dieu, repose en paix, mon frère. J'arrive trop tard. On ne peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. De vie perdue. Il ne doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. Oh!
encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon.
Idrissa! Te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Ah!
troupes n'ont plus rien à craindre de vous maintenant. J'ai plus de visuel. Là-bas, des soldats. On doit se débarrasser de ces canons. Les Allemands avaient tout et on n'avait presque rien. On devait donc voler leur équipement pour l'utiliser contre eux. Il y avait forcément des explosifs dans les environs. Yeah!
Ok, c'est parti! Sois fort.
dégagez ! Ne bouge pas! Poussez plus fort! Calme-toi! Détache-toi de la porte! On va utiliser ce canon! Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on ne s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang,
en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois.